Arroser à la main, c'est long, ça prend du temps. Et justement, pour gagner du temps et ne plus avoir à arroser, vous souhaitez installer un système d'arrosage automatique. Et bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous montrer comment installer un système d'arrosage goutte à goutte de A à Z. Tu pourras t'en servir dans ton jardin pour tes plantes ou alors dans ton potager. Je m'appelle Victorien et je suis paysagiste. Et sur cette chaîne, je vous aide à aménager votre jardin. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et vers la fin de cette vidéo, je te montrerai comment économiser de l'eau dans ton jardin ou dans ton potager. On va voir rapidement déjà les différents types d'arrosage. Puis ensuite, je vous montrerai les étapes d'installation d'un système d'arrosage. Le premier système d'arrosage goutte à goutte, ça va être des systèmes avec des goutteurs que vous allez installer à chaque plante, donc directement contre les racines. En gros, vous allez avoir un tuyau plein et vous allez venir fixer des goutteurs. Certains vont avoir un petit tuyau qui va amener l'eau donc directement au pied des plantes et d'autres ça sera des goutteurs qui vont faire un centimètre le deuxième système d'arrosage ça sera les tuyaux percés avec goutteurs intégrés alors celui là est très pratique pour une haie dans un jardin pour des massifs de plantes et également il sera très utile pour un potager à installer par exemple dans une rangée d'haricots car en fait une fois installé il va arroser l'intégralité des plantes et on n'aura pas besoin de mettre des goutteurs ils seront déjà à l'intérieur, donc c'est très pratique. Et le système numéro 3, ça sera les tuyaux poreux. Le tuyau va laisser passer l'eau sur l'intégralité, mais clairement pour en avoir mis dans mon potager, je trouve que c'est un système qui vieillit très mal, car il a tendance à s'assécher et après donc il ne fonctionne plus. Moi personnellement, chez moi, j'ai choisi le système numéro 2, le goutte à goutte déjà percé. Je vais vous montrer comment l'installer juste après, mais d'abord on va voir ce qu'il vous faudra. Donc déjà, premièrement, le fameux tuyau goutte à goutte. Après, il vous faudra du tuyau plein pour relier par exemple différentes zones dans votre jardin ça sera un tuyau donc qui n'est pas percé bien sûr pour relier les tuyaux il vous faudra des raccords et je pense que le mieux c'est d'utiliser des raccords en forme de T donc vous achetez une boîte de 20 T par exemple parce qu'avec vous allez réussir à raccorder votre tuyau partout ça vous évitera d'acheter de, des coudes par exemple c'est pas très utile et prenez également des agrafes très pratique si vous êtes tout seul pour faire tenir ensuite le goutte à goutte et il vous faudra savoir une seule chose pour avoir un bon débit d'arrosage il ne vous faut pas dépasser 150 mètres de tuyaux dans un même circuit fermé. Donc si par exemple vous avez un talus arrosé ou alors une haie qui fait 200 mètres de long, eh bien il vous faudra faire deux circuits. Un premier par exemple de 100 mètres. Puis juste après un autre de 100 mètres que vous allez euh, donc arroser séparément. Avant de passer au tutoriel, pense à mettre un gros pouce bleu si euh, la vidéo te plaît. Et également à t'abonner pour ne rien rater. Alors pour les stations, moi j'avais un petit massif ici vous venez de dérouler votre tuyau et là c'est pas la peine de faire quatre rangées donc deux rangées deux lignes donc vont suffire et même si le tuyau est pas contre la plante c'est pas grave car une fois que vous allez arroser les racines justement ça va pousser les racines à venir chercher l'eau donc à se développer donc il est conseillé à peu près d'avoir une distance entre chaque tuyau de 60 à 80 cm maximum donc là je vais faire mes deux passages au bout j'accroche une agrafe pour faire tenir le tuyau et là je vais venir raccorder mon tuyau goutte à goutte à mon tuyau plein qui va passer ensuite sous un dallage donc je l'ai mis dans un tuyau de drain pour le protéger. Donc voilà, ce tuyau il va passer ici. Ensuite, je récupère mon tuyau plein qui arrive à ce niveau-là. Et là, pour arroser l'érable du Japon, je vais venir faire pareil. Donc je vais venir faire deux tours parce qu'après autour il y aura des plantes. Au dessus, je rattrape le tuyau plein qui passe derrière mon mur et je viens y installer donc un T que je vous disais juste avant. On enfonce le tuyau goutte à goutte. Au bout, donc je vais venir fermer le circuit en faisant une petite boucle autour du palmier. Pareil pour ici. Donc je vais venir faire deux rangées. Au bout, là-haut, je viens. Accrocher mon goutte à goutte au tuyau plein avec un T, pareil. Et après ça partira donc sur la partie du dessus. Alors faut pas hésiter à bien les enfoncer les raccords. C'est important de bien y appuyer dessus. Et après voilà c'est parti. Là je vais faire qu'un seul passage, ça suffit largement. Une boucle au bout et une boucle en bas donc pour refermer un petit peu le système. Personnellement chez moi il y avait un petit peu plus de 100 mètres, donc le débit est toujours bon. Je vous propose que l'on fasse le test. Et bien voilà l'arrosage fonctionne parfaitement. Vous voyez je l'ai passé un petit peu partout. À des endroits il est un peu en zigzag pour bien arroser toutes les plantes. Voilà, certains endroits, vous vous doutez bien, j'avais pas fini de planter. Ça fonctionne bien, il y a un bon débit. Et pour l'instant, je suis venu brancher mon tuyau d'eau. Bon, c'était provisoire, là, je l'ai branché directement au tuyau plein, ce qui fait que ça arrose tout le circuit. Après, vous pouvez mettre un petit adaptateur pour venir adapter donc votre tuyau directement dessus. Et je vous avais promis une petite astuce pour faire des économies à eau. Alors, si vous avez des plantes, pensez à mettre un bon paillage. De préférence un paillage organique comme des copeaux de bois. Vous mettez une bonne épaisseur de 10-15 cm. 10 cm, voilà, ça fera. Et le fait de mettre un paillage, ça va vraiment garder bien l'humidité au pied des plantes. Et pareil pour ton potager, tu peux mettre de l'herbe de tente par exemple. Ça va se décomposer assez rapidement. T'en as mets un petit peu au pied des plantes. Et ça te gardera l'humidité. Notamment l'été lorsqu'il va faire chaud. J'espère que ce petit tutoriel t'aura plu et te sera utile. Si c'est le cas, mets-moi un énorme pouce bleu. Je t'en remercie. Pense à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao